Alors, bon matin à tous, bon matin à tout le monde. C'est vraiment une belle expérience qu'on va vivre ensemble, tout le conseil scolaire réuni pour célébrer dans cette célébration de la parole, célébrer l'aventure de Noël. Alors, je dois commencer avec un petit chant. Malheureusement, vous ne pouvez pas chanter avec moi, c'est un peu triste, mais chantez dans votre cœur. Enfant de Palestine, ou enfant d'Israël, d'Amérique ou de Chine, en ce jour de Noël, que ton regard se pose sur la terre ou le ciel, ne retiens qu'une chose, il faut croire à Noël. Matin couleur de sang, ou matin d'arc-en-ciel, qu'importe, il faut attendre à ce jour de Noël. Que les fusils se taisent et répondent à l'appel de cette parenthèse qui s'appelle Noël. Enfant de Palestine ou enfant d'Israël, d'Amérique ou de Chine, en ce jour de Noël, que ton regard se pose sur la terre ou le ciel, ne retienne qu'une chose, il faut croire à Noël. Un jour viendra peut-être, un jour au goût de miel, où l'on verra paraître un oiseau dans le ciel, aux plumes de lumière, un oiseau éternel, colombe pour la terre, un oiseau de Noël. Enfant de Palestine ou enfant d'Israël, d'Amérique ou de Chine en ce jour de Noël, que ton regard se pose sur la terre ou le ciel, ne retienne qu'une chose, il faut croire à Noël. Enfant de Palestine ou enfant d'Israël, d'Amérique ou de Chine en ce jour de Noël, que ton regard se pose sur la terre ou le ciel, ne retienne qu'une chose, il faut croire à Noël. En ce temps d'attente, manifestons notre joie d'être les frères et sœurs de Jésus. Les frères et sœurs de celui que nous nous préparons à accueillir, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, nous célébrons de façon particulière la préparation à la fête de Noël. Demandons au Seigneur de nous pardonner les fois que nous n'avons pas agi comme témoins de la lumière pour éclairer et aider les autres. Seigneur Jésus, image vivante du Père, envoyé pour nous rendre la vie, prends pitié de nous. Ô Christ, né de la Vierge Marie, pour nous apporter le pardon, prends pitié de nous. Christ, prends pitié. Seigneur, parole éternelle du Père, venu nous promettre la paix, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Et que Dieu Tout-Puissant nous pardonne, qu'il transforme nos cœurs et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Amen. Les anges dans nos campagnes ont entonné l'hymne des cieux, et l'écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo.
Berger, pour qui cette fête? Quel est l'objet de tous ces chants? Quel vainqueur, quelle conquête mérite ces cris triomphants? Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Ils annoncent la naissance du libérateur d'Israël. Et pleins de reconnaissance, chantent en ce jour solennel. Gloria. In excelsis Deo. Gloria. In excelsis Deo. Tu as voulu, Seigneur, qu'à l'annonce de l'ange, la Vierge accueille ton Verbe éternel, qu'elle soit remplie de la lumière de l'Esprit-Saint et devienne le temple du Très-Haut. Aide-nous à devenir assez humbles pour faire comme elle ta volonté. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Donc, j'invite maintenant Sylvie Petrowski, directrice de l'éducation du Conseil scolaire du district des Grandes-Rivières, de bien vouloir faire la première lecture. C'est bien. Donc, première lecture. Le Seigneur dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père et va vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai grand ton nom et tu deviendras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Celui qui te maudira, je le réprouverai. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. » Abraham s'en alla comme le Seigneur lui avait dit, et Lot s'en alla avec lui. Abraham avait 75 ans lorsqu'il sortit de Haran. Il prit sa femme, Saraï, son neveu Lot, tous les biens qu'ils avaient acquis et les personnes dont ils s'étaient entourés à Haran. Ils se mirent en route pour Canaan et ils arrivèrent dans ce pays. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Quel est l'enfant qui est né ce soir, inconnu des grands de la terre? Quel est l'enfant qui est né ce soir, que les pauvres ont voulu recevoir? Il suffit d'un enfant ce soir pour unir le ciel et la terre. Il suffit d'un enfant ce soir pour changer notre vie en espoir. Quel est l'enfant qui est né ce soir
pour changer la nuit en lumière. Quel est l'enfant qui est né ce soir, tout joyeux comme un feu dans le noir? Il suffit d'un enfant ce soir pour unir le ciel et la terre. Il suffit d'un enfant ce soir pour changer notre vie en espoir. Quel est l'enfant qui est né ce soir au-delà de toute frontière? Quel est l'enfant qui est né ce soir, sinon Dieu que je peux recevoir? Il suffit d'un enfant ce soir pour unir le ciel et la terre. Il suffit d'un enfant ce soir pour changer notre vie en espoir. La plus belle nuit du monde, c'est cette nuit de Noël, où les bergers étonnés levèrent les yeux vers le ciel. Une étoile semblait dire, suivez-moi, je vous conduis, il est né cette nuit. Glory, glory, alléluia. Glory, glory, alléluia. Glory, glory, alléluia. Chantez, chantez Naël. Ils ont suivi cette étoile sur les chemins de Judée, et des quatre coins du monde, d'autres les ont imités. Et ce chant comme une source a traversé le pays. Il est né cette nuit. Glory, glory, alléluia. Glory, glory, alléluia. Glory, glory, alléluia. Chantez, chantez Naël. La plus belle nuit du monde, c'est cette nuit de Naël, où au cœur de tous les hommes, un peu d'amour descend du ciel. Tant de choses les séparent, cette étoile les unit. C'est la plus belle nuit. Glory, glory, alléluia. Glory, glory, alléluia. Glory, glory, alléluia. Chantez, chantez Naël. Chantez, chantez Naël. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi?
Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Et Marie dit alors, « Mon âme exalte le Seigneur. » Et Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois. Puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est beau cette parole, hein? Cette parole d'Élisabeth, c'est un évangile d'espérance, là, la naissance de 2 enfants. Mais ce que j'aime le plus dans cette lecture de l'évangile, c'est la parole d'Élisabeth. Que m'est-il donné? Qui suis-je, moi, pour que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Tu sais, des fois, on sent down un peu, on se sent triste, on se sent abattu, on se sent pas digne que quelqu'un vienne nous aider. Puis là, mais pourquoi tu es venu m'aider? Tu sais, I'm worthless, là, tu sais, je vaux rien, moi, là, là. Mais cette journée-là, il y a quelqu'un qui est venu m'aider. Puis, c'est un peu ça, Élisabeth, elle ne comprenait pas, elle, là, que quelqu'un d'aussi grand, Jésus, Dieu, vienne la visiter dans sa grossesse. Puis ça, c'est un peu l'histoire du peuple d'Israël, c'est notre histoire à nous. Qui sommes-nous, nous, pour que Dieu prenne le temps de venir nous visiter? Qui sommes-nous pour que Dieu vienne prendre le temps de s'asseoir avec nous, de vivre ce qu'on vit, nos tristesses, nos joies, des fois des grandes peines? Mais Dieu nous dit, toi, tu en vaux la peine. Toi, tu vaux la peine que je prenne du temps pour toi. Bien, s'il y a quelqu'un qui peut prendre du temps pour nous autres aussi, on peut prendre du temps pour eux autres. Donc, soyons des présences d'espérance, des personnes d'espérance, des amis d'espérance qui vont être là quand les autres vont avoir besoin de nous autres. Puis même s'ils se disent, I'm worthless, je ne vaux pas la peine, là, ça ne vaut pas la peine qu'on vienne m'aider, bien, il y aura quelqu'un qui va venir nous dire, je suis content de venir te voir parce que je sais que tu as besoin d'aide. Puis ensemble, on va essayer de s'en sortir. All right. Merci. Demandons maintenant au Seigneur de nous aider, par l'exemple de Marie, à croire en sa promesse et à faire sa volonté pour notre propre bien et celui des autres. Après chaque intention de prière, nous dirons, éclairons-nous la beauté de Dieu. J'invite maintenant Ariane Breton de l'École catholique Sainte-Marie de bien vouloir faire la première prière. Éclairons-nous la beauté de l'espoir. Fais-nous voir que ton amour et ta présence sont autour de nous. Éclairons-nous la beauté de Dieu. Éclairons-nous la beauté de Dieu. J'invite maintenant Kaylee Truax de l'École catholique L'Alliance de bien vouloir faire la deuxième prière universelle. Éclairons-nous la beauté de ton parole. Pardon, fais-nous voir que le pardon est un don qui permet de s'approcher de Dieu ainsi que l'un de l'autre. Éclairons-nous la beauté de Dieu. J'invite maintenant Anne Quevion de l'École catholique Thériault de bien vouloir faire la troisième prière universelle. Éclairons-nous la beauté de la joie. Fais-nous voir que l'action de grâce et de reconnaissance sont des sources de joie. Ensemble, éclairons-nous la beauté de Dieu. Éclairons-nous la beauté de Dieu. Et maintenant, c'est au tour d'Alex Gendreau de l'École catholique Cité des Jeunes de bien vouloir faire la quatrième prière universelle. Éclairons-nous la beauté de la paix. Fais-nous voir que lorsqu'on agit de façon juste, nous bâtissons ton royaume de paix. Éclairons-nous la beauté de Dieu. Éclairons-nous la beauté de Dieu. Et en dernier, mais non le moindre, Marissa Génier de l'École catholique Nouveau Regard va nous faire la dernière des prières universelles. Éclairons-nous la beauté de Dieu. Fais-nous voir avec un nouveau regard et avec les yeux levés que l'on soit éclairé et qu'on éclaire. Éclairons-nous la beauté de Dieu. Éclairons-nous la beauté de Dieu. Dieu notre Père, nous t'adressons ces prières avec confiance. Tu nous aimes d'un amour infini. Aide-nous à devenir des enfants de lumière pour les autres et écoute les prières que nous te présentons aujourd'hui. Nous te les présentons par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Il est né le divin enfant,
jouer au bois, résonner musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Depuis plus de 4000 ans, nous le promettaient les prophètes. Depuis plus de 4000 ans, nous attendions cet heureux temps. Il est né le divin enfant, jouer au bois, résonner musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Une étable est son logement, un peu de paille et sa couchette. Une étable est son logement, pour un Dieu quel abaissement. Il est né le divin enfant, jouer au bois, résonner musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Ô Jésus, ô roi tout puissant, tout petit enfant que vous êtes. Ô Jésus, ô roi tout puissant, régnez sur nous entièrement. Jouer au bois, résonner musette. Il est le divin enfant, chantons tout son avènement. Et maintenant, d'un seul cœur, prions ensemble comme Jésus lui-même nous l'a demandé. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux et celles qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant, tout aimant, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez maintenant dans la paix et la joie du Christ et soyez lumière du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Alors, joyeux Noël à tout le monde. C'était agréable de vivre cette expérience avec vous sur la voie de l'informatique. Et pas ensemble, mais enfin, on chante. Noël, c'est l'amour, viens chanter, toi, mon frère. Noël, c'est l'amour, c'est un cœur éternel. Du temps de ma mère, sa voix familière dansait douce et claire. Un enfant est né, la voix de ma mère, amour et prière, la voix de ma mère qui m'a tant donné. Des lumières dans la neige, mille étoiles du berger, et les hommes en cortège vont chanter la joie d'aimer. Noël, c'est l'amour dans les yeux de l'enfance. Noël, c'est l'amour le plus beau, le plus grand. Un monde commence d'un peu d'espérance, d'un ange qui danse auprès d'un enfant. Mm-hmm. Oh, 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 oh.
chanter, toi, mon frère Naël. C'est l'amour, c'est un cœur éternel. Reviens, toi, mon frère, et vois la lumière, la nuit de lumière qui descend du ciel. Et moi, sur la terre, j'entends douce et claire la voix de ma mère qui chante Naël, Naël.